prendre le temps de dire à ses proches qu'on les aime. Jefferson, l'ex-mari de Pedro, M.A.P.R., endeuillé. Difficile été pour Jefferson, ancien candidat de la saison 7 de Marié au premier regard. Le jeune homme a annoncé sa rupture avec Pedro il y a quelques jours et confie aujourd'hui sur Instagram traverser un terrible deuil. Il y a des périodes de la vie plus difficiles que d'autres et assurément celle que traverse actuellement Jefferson est de celle-là. Le jeune homme a été révélé au grand public il y a quelques mois grâce à sa participation à Marié au premier regard. C'est dans les jardins botaniques de Gibraltar que ce directeur des agences en assurance a épousé sans le connaître Pedro, un tapissier décorateur parisien de 9 ans son aîné. Le coup de foudre était au rendez-vous pour le premier couple homosexuel de l'émission. Au bilan, Pedro et Jefferson se sont même démarqués du lot des participants. Alors que du côté des Annabelle et Fabrice, des Emmanuel et Léa, de Maureen et Benjamin, et de Maximilien et Estelle c'était LHE accent aigu catombe, le couple formé par ces deux-là semblait vouloir tenir bon, les deux hommes regardaient dans la même direction. Nous choisissons de garder nos moments à venir pour nous, afin de nous préserver et continuer à faire au mieux pour que ce mariage tienne bon, avait-il indiqué à leurs admirateurs. Mais il y a quelques jours, c'est un Jefferson en plein désarroi qui a pris la parole sur les réseaux annonçant la rupture avec son mari. Nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer avec Pedro. C'est très récent. Je lui souhaite évidemment du bonheur. Je ne me vois plus vous le cacher. Je n'y arrive plus, avait-il notamment déclaré avant d'avouer ne pas aller bien. Le jeune homme issu du milieu forain, expliquait qu'il allait se concentrer sur les choses qui lui font du bien, et a remercié ses abonnés pour leur bienveillance avant de disparaître. Je pose le téléphone dans un coin, ce n'est pas ma priorité. Ces derniers se sont évidemment inquiétés de ce silence et ont contraint le jeune homme à les rassurer. Mais Jefferson avait en réalité une triste nouvelle à annoncer. « Je vous remercie du fond du cœur », a-t-il d'abord déclaré avant de confier sa peine. Il y a quelques jours, j'ai perdu brutalement quelqu'un de ma famille proche. Cela fait réfléchir sur les choses futiles. Et sur le fait de prendre le temps de dire aux gens qu'on les aime. Prenez le temps de dire à vos proches que vous les aimez même si ce n'est pas toujours facile. L'heure est actuellement au recueillement pour Jefferson. Je prends du temps avec les miens dans ce moment difficile et je pose ce téléphone dans un coin car ce n'est pas ma priorité, a-t-il expliqué avant de rassurer ses abonnés leur promettant un retour rapide pour une rentrée chargée. Ils l'attendront et le soutiennent, à ne pas douter dans cette difficile épreuve.